Wesh les loulous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. 20e épisode, c'est spécial ma gueule. De toute façon, c'est tous les jours spécial avec moi. N'empêche, je me rends compte qu'il reste 10 épisodes hein, et je suis grave content vraiment d'avoir parcouru ce putain de chemin. Il nous reste 10 jours et après ces 10 jours, vous aurez là les surprises. Donc il faut que vous restiez connectés au maximum. Abonnez-vous, ça coûte rien, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais partir sur un Bella Ciao. Vous savez ce que c'est. Vous savez aussi que cette mode est passée, mais j'ai envie de le faire pour une raison. Je ne vais pas aborder ce thème comme tous les autres ont pu l'aborder. Je vais l'aborder avec de l'espagnol, ma deuxième langue. Je vais l'aborder aussi avec un instrument qui vient de ma première origine, la Turquie. Et ce qui va se passer, c'est simple. Je vais vous faire un betu. Donc c'est parti. Donc les accords de Bella Ciao, c'est simple. C'est na 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 na. J'ai accordé le piano à mon instrument. Là, je vais rajouter des bonnes voix d'elfe. Et au-dessus de cette voix, je vais rajouter ma propre voix. Et là, je vais rajouter encore une deuxième voix, donc ma voix en un peu plus aiguë, vous allez comprendre. C'était bien sûr sans autotune, hein, vous l'avez remarqué. De toute façon, des harmonies avec l'autotune comme ça, ça rend dégueulasse, donc ce serait vu direct. Maintenant, on va placer le piano en arpège, c'est-à-dire on va prendre les accords, on va jouer plusieurs petites notes. Ça donne ça, c'est lourd, hein. La batterie. Petit rimshot pour embellir des petits. Et mon hat préféré aussi que j'utilise. Mais que je vais taper à la main parce qu'il y a trop de variantes. Pélamif ! On va passer à la basse. La basse, je vais la placer avec les mains. Et ça donne. Texte, donc je vous ai dit que j'allais utiliser ma deuxième langue, à savoir l'espagnol. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va chanter en espagnol, je vais le sous-titrer en français. Donc du coup, il y aura de l'espagnol, du français et il y aura du couture. On est polyvalent, polyglotte et multiculturel, frérot. Je vais faire simple, pour une fois, exceptionnellement, mais ça donne très lourd parce que je l'ai en tête et je l'ai essayé tout à l'heure entre les lignes. C'est que je vais prendre mon texte de les 50 nuances de 16 que j'avais fait en 2016, en 2017, je sais plus trop, je crois que c'était en 2016. Où j'avais chanté en espagnol sur le deuxième ou le troisième couplet. Putain, je me rappelle de rien, j'ai une tête de con. Ça va donner ce que je vais vous montrer là, ce que je vais enregistrer. Et je pense que vous allez kiffer. Mais vous inquiétez pas, ce sera sous-titré. Il y en aura pour tous les goûts. Bien amigo, lo que aprendí no salió de la escuela. Soy el hijo de la calle de mi abuela. Me hicieron lobo para que la vida no me duela. Se me escucha hasta Puerto Rico, Calle y Carolina hasta Turquía. Papi, no necesito el millón de views pa' saber que rapeo mejor que tú. Todo el mundo sabe que tú no vales nada. No tienes los huevos pa' hacer lo que dices. Tú quieres saber quién es el rey. Siéntate y adivina ser. Chingándote me cansé. Yo estoy fe, no sé. Yeah, yeah, yeah.
que vous avez kiffé. Rendez-vous demain pour le prochain épisode. N'hésitez pas à faire tourner. Et merci à ceux qui commentent depuis le début. Je suis motivé, je lâche pas. Et si je parais autant fatigué avec mes yeux que je mets des casquettes et que je me coiffe pas, et que d'ailleurs je vais plus trop chez le coiffeur, c'est uniquement la raison pour laquelle je suis en train de bosser de ouf. On se retrouve bientôt la mif, on est ensemble.